Yo la team, c'est Kairos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Donc aujourd'hui au programme on va se faire une petite maison moderne comme d'habitude. Donc toujours dans le même style, donc c'est parti, on commence sans plus attendre. Mais avant je voulais juste vous préciser que je suis disponible sur TikTok et Instagram. Donc je compte vraiment sur vous pour me rejoindre sur ces deux réseaux sociaux où vous y retrouverez encore plus de contenu que sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on commence par sélectionner nos blocs, béton blanc, béton gris clair, béton gris, pierre taillée et les dalles qui vont bien avec les dalles en quartz lisse, des vitres gris clair et des blocs d'herbe dans un premier temps. Donc c'est parti les amis, on commence sans plus attendre. Donc par où on va commencer? On va commencer par là. Donc là, hop, on va placer le béton gris. Donc 2, 3, 4, 5. 6, voilà, pour le moment on va le placer juste comme ça, on verra ce qu'on fait par la suite. Car là, une fois qu'on a posé ça, je vais mettre des blocs d'herbe ici, et ensuite ça sera du quartz lisse. Donc là, le quartz qui va aller sur 3 blocs de largeur. Ensuite, on reprend nos bétons gris qui reviennent par là. Là, on va mettre du béton gris, ce sera peut-être plus joli. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, 3 blocs de béton gris. Ensuite, on va revenir donc comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5 comme ça. Donc là, on est bon. Ensuite, on prend notre pierre taillée. Donc là, on va poser 1, 2, 3. 4 blocs. Ensuite, au fond, comment on va faire au fond? On va peut-être prendre du bois au fond, au final. Donc là, on va prendre des planches de chêne rapidement en attendant. Donc là, on va le placer ici. Là, ça sera la porte. Ensuite, je vais faire 2, 3, 4. Là, je vais placer un bloc comme ça. Et je refais 2, 3, 4. Là, on n'est pas trop mal. Je sais jamais trop comment terminer. On va rester comme ça. Ah, mais attendez, là, on avait fait quoi? On avait mis 3 au final. Là, on va se décaler parce que sinon, on n'a pas. Voilà. Par exemple, de ici, on a 4 blocs. 1 bloc, 4 blocs. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Je remets des dalles en pierre taillée. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième qui sera en béton blanc. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, je fais 3 comme ça. Là, je reprends. Bah ici, je vais faire 2, 3 comme ceci tout le tour. Hop, hop, hop. Ensuite, on enlèvera nos planches de bois pour les troquer contre nos pierres taillées. Tac, on en met ici, ici. Et là, on revient sur 3 blocs de hauteur. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, les amis, on est pas mal. Donc là, on va prendre notre béton gris clair et on va le faire dépasser comme ceci. Hop, de un bloc. Là, on le ramène. Hop, comme ceci, tout le long. Donc là, nos pierres taillées, on va les prolonger jusqu'en face des escaliers, donc ici. Là, je les remonte sur 3 blocs de hauteur. Parfait. Et je viens tirer mon béton gris clair comme ceci. Donc là, on est pas mal. Je continue avec mes pierres taillées. Hop. On les remonte comme ceci. Et ensuite, tout simplement, on va prendre nos blocs d'herbe et on va faire remonter l'herbe gentiment. Donc là, c'est-à-dire que là, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. On remonte ça tranquille. Et on vient, tac, comme ça. Ouais, c'est parfait. Donc là, on va faire remonter ça gentiment comme ceci. Hop. Et on va essayer de donner une petite forme arrondie à tout ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, c'est parfait.
Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais peut-être remonter un peu ici. Voilà, c'est nickel. Une fois que j'ai fait ça, je tire mes dalles sur 3 blocs. C'est une catastrophe. Voilà. Donc là, on est bon. De ce côté-ci, on va faire un petit peu le même principe. Donc là, on va prendre nos blocs. Un ici. Là, 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 là. Et ici, on va terminer en béton gris. Donc là, le béton gris qui va repartir donc d'ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. Là, je remonte mon petit mur comme ceci. Hop. Donc là, on est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, on est bon. Là, je viens au même niveau, donc ici. Tac. Je mets ça. Je mets mes dalles comme ceci. Je ramène mon béton gris comme ça à l'intérieur. Hop. Sur deux blocs comme ceci. Je fais de même pour la pierre taillée. Hop. Que je continue d'augmenter. Et une fois qu'on en est là, donc on va remettre des blocs, hop là, comme ceci et comme cela. Les dalles qui restent, elles, à la même position. Et là, on pourra faire nos portes. Voilà. Donc là, on a déjà bien avancé. C'est cool. Donc maintenant, on va prendre le béton gris foncé. Ici, on va le mettre comme ça. Donc là, ce que je pourrais faire ici, c'est continuer la remonter comme cela et venir s'emboîter comme ça là-dedans. Donc là, on est bon. Là, je vais aller faire comme ceci. Voilà. Là, je mets deux blocs. Nickel. Donc là, on remonte un petit peu. Au troisième bloc, hop, au quatrième bloc, comme ça, on revient là. Donc là, on laisse bien trois blocs de hauteur. J'étire ça donc pas trop loin parce que là il y a déjà la pierre taillée. Donc là on remonte la pierre taillée sur la même hauteur histoire de voir où on se trouve. Nickel. Et du coup, comme je disais, là on va remettre une couche de béton gris ici. Hop, une autre ici. Et une autre au-dessus, comme ceci. Voilà. Donc là, on est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire pareil. Donc ici, je reprends mon béton gris. Je viens le positionner comme ceci. Et là, il va venir faire le tour, comme ça. Donc là, c'est parfait. Là, au fond, donc là, je vais remettre un petit peu de pierre taillée. Je switch avec mes planches de chêne. J'en mets ici. Là, ça sera le sol. Je reprends mes pierres taillées. Et puis, ah bah ici aussi, on va en remettre. Voilà. Et du coup, là, je peux prendre les portes qui me plaisent. Moi, je vais mettre celle en bouleau pour le moment. Ça veut bien aller. Après, libre à vous de changer, comme d'habitude, hein, avec votre pack de textures ou autre. Donc là, on est bon. On prend nos bétons gris, on les ramène comme ça. Tac, on les fait longer nos pierres taillées. Et là, on est déjà pas mal. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends mon béton blanc, je viens le positionner donc à la même hauteur que ça là. Donc, ici, on va venir le mettre ici et ici. Voilà, je remets un petit coup le jour. Donc, une fois que j'en suis là, je fais pareil pour au-dessus. Je viens étirer comme ceci. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je regardais pas. Hop, comme ça. Donc là, on s'arrête au même niveau. Là, on est bon. Ensuite, les blocs blancs. Donc, ils vont repartir, hop, comme ceci sur le côté. Hop là. Donc là, combien on en met? Là, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10. Parfait. Là, pareil. Nickel. On rebouche tout ça. Là, on vient étirer nos blocs de béton gris clair jusqu'au bout. Pareil pour le dessus. Nickel. Et ensuite, on va se faire une petite forme assez sympa. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est déjà avec le béton gris foncé là, je vais aller sur le même nombre de blocs. Donc là, on va s'arrêter en face. On a l'air d'être pas mal, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc là, j'ai remis 5 blocs. Je refais mon petit mur, hop, qui va bien. Et puis, ah non, je voulais inverser, désolé. Je voulais inverser là. Je vais en enlever ça. Hop, là, on prend le béton blanc. On en remet 5 comme ceci. Et du coup, là, on va remonter gentiment jusqu'à ce qu'on ait une fenêtre. Donc là, on est à hauteur de sol. Là, on est à hauteur de fenêtre. Donc là, ça nous fait 5 blocs. Donc ça fait un carré de 5 blocs par 5 blocs au final. Et ici, ça sera une fenêtre. Et du coup, ici, hop, on va venir prolonger comme ça. Nickel. Et pareil pour le dessus. Là, on est bon. De ce côté-là, c'est parfait. Ici, je vais refaire la même chose. 2, 3, 4, 5. Donc là, on retombe en face de la pierre taillée, c'est parfait. Voilà qui est parfait. Là, je viens dépasser de un bloc pour ramener ici. Pareil pour ça. Et au-dessus, on vient redoubler de couches. Et voilà, c'est parfait. Donc là, ensuite, je vais prendre ma pierre taillée. Je vais venir l'emmener comme ceci, donc un peu plus haut que le toit. Là, je la fais dépasser. Ici, je vais mettre comme ça des dalles de quartz. Excusez-moi, je suis un peu malade. Là, je viens faire le tour comme ceci. Donc là, on n'est pas trop mal. Ça, je viens l'étirer jusque derrière. Donc ça, du coup, on n'en a pas besoin. Là, on vient redescendre gentiment comme ça tout le long. C'est parfait. Et on va dépasser donc de un bloc, c'est déjà pas mal. Ensuite, on vient en face de l'autre, comme ceci. On vient former un rectangle. Et là, on est bon. Donc là, on va déjà commencer par mettre une couche de demi-dalle ici. Ensuite, des blocs ici. Donc là, tout le tour comme ça. On vient fermer un nouveau rectangle. Hop, ensuite je reprends mes demi-dalles, je recommence. Ensuite je reprends mes blocs, je vais refaire un rectangle. Donc là, ici, c'est parfait. Je reprends mes dalles, etc., etc. Et on arrive au-dessus, donc c'est-à-dire ici, on remet une couche de blocs et on termine avec des demi-dalles. Voilà qui est parfait. Donc là on a un joli petit effet. Donc ça c'est parfait. Là on va reproduire la même chose derrière. Donc c'est-à-dire que là on va venir rejoindre les deux côtés comme ceci. Parfait. Là c'est pareil. Nickel. Et on va faire redescendre du coup notre chère pierre taillée comme ceci. Et là, on va remplir tout l'intérieur. Donc voilà, j'ai rempli mes pierres taillées, ça c'est parfait. J'ai oublié le bas, je l'ai rempli. Donc là, on est pas mal du tout. Ici, en dessous, on vient faire un petit mur comme ceci jusqu'à hauteur de sol, donc ici. Là, à l'intérieur, je peux remplir entièrement le sol. Donc moi, je vais le faire en planche de chêne. Donc là, je viens faire comme ça tout le tour. Et je remplis toute cette zone. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon sol, on est bon.
Maintenant, je vais faire les espèces de fondations de ma maison. Donc là, je prends mes blocs blancs, je viens les remonter au même niveau qu'ici. Ensuite, je vais venir comme ceci. Hop, deux blocs. Deux blocs. Attendez. Parce que je suis pas sûr de mon coup. On va déjà prendre les demi-dalles et ça sera beaucoup plus simple comme ça. Donc là, je viens faire dépasser mon toit comme ceci de deux. Ensuite, j'en remets deux comme ça. Ensuite, on remonte, j'en remets deux comme ça. Là, hop, deux. Ainsi de suite. Hop, deux. Et on va venir se mettre comme ça là-dedans. Sauf que ça va pas tout à fait. On va recommencer. Là, on enlève ça. Donc là, on va partir de là-haut. Le toit, il va venir se croiser à cette hauteur-là, je pense. Parce que admettons qu'on vienne d'ici. Donc imaginons que là, on ait ça, 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 ça. Tac. Donc là, c'est un petit peu chiant pour poser. Hop. Parce que là, ça nous fait arriver ici. Ok. Donc attendez, les amis, on va faire ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici. Donc là, on se croise. Là, on remet un bloc ici. Enfin, une dalle. Tac. Voilà, qui est parfait. Et on arrête le toit par là. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ouais, non, c'est vraiment pas mal comme ça. Je pense qu'on va garder ce petit truc-là. Et juste à l'intérieur, du coup, ce qu'on va faire, donc là, quand c'est des blocs pleins, on les laisse. Voilà, on fait comme ça, 1 sur 2. Là, c'est pas possible. Donc là, 2, 2, 2. Et ici, 2 comme ça. Voilà. Donc là, on est bon. On prend nos bétons blancs. On vient fermer comme ceci. Donc ça, c'est parfait. À l'extérieur, on regarde ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Du coup, là, derrière, on va faire le même principe. Hop, on vient ramener nos deux blocs comme ceci. Hop là. Jusqu'ici. Ensuite, je fais la même chose pour l'étage supérieur. On ramène tout ça. C'est nickel. Là, on peut faire dépasser de deux blocs. Ça remplit un petit peu le mur. Après, à l'intérieur, on peut également faire des fenêtres, hein. On peut très bien faire comme ça. Hop. Et commence à rendre dehors. Ouais, nickel. Ça, c'est parfait. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va remplir en béton blanc pour cacher tout ça. Là, on continue avec notre béton blanc ici. On fait un pilier là. On continue ici. C'est parfait. On vient remplir le mur comme ça pour ne pas le voir depuis l'intérieur. Et c'est tout bon. Là, on n'a plus qu'à ramener nos dalles jusqu'à de l'autre côté, donc sur le béton gris. Ouais, c'est ça. On revient jusqu'ici. Je vais remettre un petit coup de lumière. Et du coup, on va tirer toutes nos dalles comme cela. Hop. Et n'oubliez pas de faire, donc comme je suis en train de faire, deux blocs par deux blocs. Sinon, vous ne pourrez pas poser les vitres. Donc je vous réexplique. C'est-à-dire que quand on arrive à hauteur du béton blanc, on remet un bloc ici, parce que sinon, on ne pourra pas poser une demi-vitre. Donc voilà, c'est parfait. Là, à cette hauteur-là, on vient remettre des demi-dalles comme ceci. Hop, ah, j'ai mon... Hop, voilà. Je disais, là, on vient remplir comme ça tout du long. Pareil ici. Et voilà, qui est parfait. Donc là, on a une jolie petite structure. Là, ce qu'on peut faire, c'est y mettre des... Ah oui, mais ça va être pénible. On peut très bien mettre des blocs de terre ici. Tac. Pour refermer tout ça.
Et puis à l'intérieur, on vient remplir avec les blocs de béton gris pour cacher tout ça. Donc ça, c'est parfait. Là, je ressors. Donc là, on pourrait y mettre quelques plantations. Moi, ce que je vous conseille, c'est la poudre d'os. Comme ça génère un petit peu aléatoirement tout ça. Hop, comme ça, c'est parfait. Donc là, on est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du gravier ou de la diorite, comme vous voulez. Je vais prendre du gravier, je pense. Et du coup, je vais remplacer tout ça. Donc ici, hop, je viens creuser depuis là. Et je viens venir comme ceci. Et là, je remplace tous ces blocs d'herbe par du gravel. Bien entendu, ici, je mets une porte, hop, et un bout de bois là-dessus. Comme ça, on est bon. Là, ce qu'on peut faire, ben, on est bon aussi. Donc, une fois qu'on a fait ça, je remplace aussi mes graviers ici. J'ai oublié de les mettre. Voilà qui est parfait. Ensuite, on va prendre des vitres. Donc, je vous avais dit de prendre les vitres gris clair. Moi, je les avais enlevées pour prendre d'autres blocs. Donc là, on va venir poser nos vitres comme ceci, ici. Ensuite, on va les poser ici. Donc c'est là que je vous disais, vous voyez, là, on doit monter deux par deux. Parce que si on a un demi-bloc comme ceci, vous voyez, on ne peut rien poser. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ceci, deux par deux. Et on remplit tout ça. Donc une fois que j'ai posé les vitres là, bah, il y a encore tout le tour à faire. Hop. Donc là, tout ce qu'il y a des trous, on les met. Là, on peut très bien en mettre ici. Et donc tout le tour de la maison. Là, je les mets bien sur le béton blanc, les vitres. Comme ça, c'est parfait. Ici, je continue. Donc voilà, c'est parfait. Là, on va faire une petite modif. On va prendre nos blocs d'herbe. Hop, on remplace ça. On va prendre des jolies petites trappes. Donc moi, je vais prendre celle en sapin. Tac, 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 on referme tout ça. Comme ça décore un petit peu. Là, ce que je vais faire, je vais y mettre des petites fleurs au pif. Hop. Donc là, je mets ça et ça au milieu. Une fois que j'ai fait ça, donc on va prendre quelques petites décos. Donc là, on va se prendre comme d'habitude nos jolis petits pots. Où sont-ils? Ils sont là. Ensuite, on va prendre nos propagules. On va prendre des feuilles de chêne et nos fameuses barrières. Et puis des lanternes, bien entendu, pour y voir clair. Donc là, c'est parfait. On commence par nos lanternes. Donc là, je sais qu'ici, ça sera assez sombre. Donc on va en mettre une ici. Une fois que j'ai fait ça, on est bon. Là, on va mettre. On va rien mettre pour le moment. On va rien mettre pour le moment, on verra après. Par contre, ici, je peux venir comme ceci, refermer comme ça. Là, on est bon. Dans le fond, on peut mettre éventuellement des choses si vous le désirez. C'est pas obligatoire puisque ça sera le parking. Donc là, vous aurez deux places pour les voitures. Ensuite, on va continuer avec les décos. Donc là, hop, un petit pot ici avec les propagules. Là, je laisse comme ça. Et puis voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire en déco sur ce bâtiment. À part ici. Là, je vais faire sur 3 de haut. Et puis là, sur 2. Non, sur 1 du coup. Ce sera peut-être plus joli. Là, on est bon. Ici, on peut se faire une petite terrasse en dessous si vous le désirez. Donc moi, je vais rien faire pour le moment. Par contre, très important, on va quand même mettre des piliers parce que ça fait pas très réaliste. Donc là, on va mettre un pilier comme ceci. Et après, je vous propose de mettre des demi-dalles au-dessus pour cacher un petit peu les différences de couleurs. Parce que bah, ça, malheureusement, ça va se voir. Donc voilà, ça c'est tout bon. À la rigueur, je peux le faire encore avec vous. Je vais prendre les dalles de quartz lisse. Là, je viens faire le tour comme ceci. Hop, et je remplis tout ça pour cacher la misère.
Donc voilà, là c'est déjà beaucoup plus joli. Ici, on peut se refaire un espèce de petit buisson comme cela. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. C'est une petite maison atypique. Ça faisait longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum et à le partager autour de vous. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je continue à mettre un petit peu de poudre d'os par-ci par-là, histoire d'avoir un petit peu de végétation. Et on est bon. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.